Salut tout le monde, ici GamerKing, nouvel épisode de Kingdom Hearts. J'espère que vous allez bien parce que moi je suis super comme d'habitude. Dans le dernier épisode, on a battu Riku, que j'ai galéré à faire, si vous vous souvenez. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Mais en fait, j'ai juste fait Riku, j'ai battu Riku, possédé par un certain Ansem. Donc, on le connaît pas trop, on sait pas trop c'est qui. En fait, oui, on sait c'est qui, me semble. Ouais, ils l'ont déjà dit. C'est un chercheur de. C'est un chercheur des sans cœurs. Il cherche à comprendre comment que ça fonctionne les sans cœurs. Je suis plus sûr s'il avait déjà rencontré dans les choses. Je ne vais pas trop vous spoiler en vous disant quelque chose. Donc, c'est ça. Une minute, je vais juste activer une compétence. J'ai désactivé la compétence roulade parce que j'ai fini une compétence, la compétence Pétalgarde, qui permet les sorts soins. Je l'avais pas montré dans le dernier épisode, désolé. Ça me permet je vais lire qu'est-ce qui est marqué parce que je veux dire de la merde. Empêche les ennemis d'interrompre les sorts soins sur soi. Donc, à chaque fois que tu attaques, les sorts soins sont pas interrompus, en fait. C'est super utile. C'est ça qui m'a aidé un peu à gagner parce que j'avais de la difficulté à me soigner avant que tu m'attaques. Donc, c'est ça. C'est pas ce port-là, c'est pour aller au premier quartier. Puis, je suis un peu plus occupé cette porte-là. Bon, bref. Je vais aller là parce que j'ai un ordre à aller donner à la marraine, la bonne fée, qui est l'ordre du feu, de feu. Puis là, je viens de tomber, je sais pas si tu peux remonter comme ça, je pense pas. Faudrait que je recommence. Go! Et là, c'est parti! Je m'en vais à la maison de Merlin. Allez, t'es capable! Ouais, c'est bon. Là, on va rentrer dans la chambre du mal. Bon, elle est où? Elle est où la marraine? Elle est là. Elle est là! Allô? Oh, un ordre d'invocation? Aidons cette petite chose. C'est parti! Abracadabri, cadabra! Et on a appris Mushu. Merci Sora, c'est pour toi. Bonne fortune, ok. Prends-en soin. On a une nouvelle cible. Une nouvelle cible. Je vais même pas regarder ça, je sais pas. Effectivement, je vais aller voir ça. Ah, bonne fortune, c'est ça. Ça donne plus de points de magie, mais il y a le même attaque. Donc, je sais pas si tu devrais. Ah, je vais le donner. De toute façon, il n'y a pas de différence, c'est juste qu'il y a plus de points de magie, donc c'est super utile. Par là, je crois que oui. Bref, on s'en fout. Parce qu'il y avait une marque de trou avant, puis je voulais juste voir si j'avais la tête. Là, on peut aller je pense qu'on peut partir vers la forteresse oubliée pour aller sceller la serrure. Parce que dans le dernier épisode, on n'a pas scellé la serrure de la forteresse oubliée. Donc là, je pense qu'on peut partir. Là, je fais un petit coup de sauvegarde, désolé. Ça vous dérange. Go, allez. Vaisseau. On peut pas aller à la ville de travers, c'est ça? Ah non, attends! Alors, je pense que j'ai mis un peu à quelque part. Je vais retourner, je vais aller voir Sid, peut-être qu'il pourra m'aider. Mais en même temps, ça va m'aider à faire quelque chose que j'ai oublié. Aller masser des pochons. Des popos. J'ai oublié d'aller masser des popos. Des pochons. Puis des trucs comme ça, des élixirs, des méga potions. Des trucs utiles, quoi. Des trucs qui pourront me servir pour plus tard. Bon, ok. Alors, on peut aller dans la boutique qui est là-bas. Allez! Hop. Par là. Bon, la boutique, go. Allez, à toi. Je sais pas. Bienvenue. Tu es là pour acheter ou alors tu as quelque chose à vendre? Oui, c'est quelque chose. Allez, acheter.
Je vais aller m'acheter des potions plus. Attends, potions plus, je vais m'acheter au moins. Je vais m'en acheter au moins. Des états, quoi, 3 points de magie dans le personnage. Ça, c'est toujours étriqué, surtout que j'en ai pas à peu près. 5. Plus tu m'achètes ça, donc. Je vais m'acheter ça. Ouais. Non, là, je suis plus. Bon, ok. Rien de spécial, d'accord. Bye bye. Ah, bye bye. Bon, là, je vais aller dans le premier quartier pour aller voir Sid. Peut-être qu'il pourrait m'aider. C'est par là. Go. Allez, salut. Ah oui, salut. Sid, je dois retourner à la forteresse oubliée. Ce n'est pas une bonne idée, petit. Les 100 cartes se multiplient à chaque seconde. Il devrait avoir ton vaisseau. Alors, que peut-on faire? C'est simple, les contourner au lieu de les affronter. Installe un nouveau Navigumi et prends un autre trajet. Un nouveau Navigumi? Où ça? Dans le canal secret. Quand je suis arrivé il y a 9 ans, je l'ai gardé ici en cas de besoin. J'aurais jamais cru qu'il servira à un gamin. Ok. Dans le canal secret, il se trouve un nouveau Navigumi, ouais, qui nous permettrait d'aller à la forteresse oubliée. Donc, on y va. Dans la ruelle, si je me trompe pas. La ruelle, on accepte comme ça. Là, je fais pas les combats parce que, je sais pas. C'est chiant. Aïe. Putain, ils sont forts. C'est fou, ils sont forts. Bye bye. Bon, je m'en vais dans le ruelle, je crois. C'était ça qui était marqué. Ouais. Go. Voici. Hey, arrête donc de t'accrocher, ça va sérieux. Bon, merci. Bon, là, on s'en va dans le canal secret, c'est là, la grotte secrète. Bon, c'est par là. Oh, on voit Kairi en plus. Attends, j'ai plus la marque trop blanche. Ben oui. Go, on l'active. Et on a un nouveau coffre. C'est bon. Là, on peut l'ouvrir. Ça donne quoi? Un orcalque, ok. Bon, juste, je vais parler à Kairi. Ce dessin est vraiment étrange. Il est ensorcelant. Ah ouais? Ouais, on a eu un avis de nuit. C'est bon. Et en plus, le soleil s'est transformé en lune. C'est fort. Bon, ok. Je vais aller voir Kairi. Allons rejoindre les autres. On devrait se reposer. D'accord. A light at the end of the tunnel. Oh, your grandma's story, right? That's right. We were together. You know what's funny? I looked everywhere for you, but you were with me all along. Finally, we're together, Kairi. Now, it's time to get Riku back. You think it'll ever be the same again between us? Riku's lost his... When I turned into a Heartless, you saved me, remember? I was lost in the darkness. I couldn't find my way. As I stumbled through the dark, I started forgetting things. My friends, who I was. The darkness almost swallowed me. But then, I heard a voice. Your voice. You brought me back. I didn't want to just forget about you, Sora. I couldn't. That's it! Our hearts are connected. And the light from our hearts broke through the darkness. I saw that light. I think that's what saved me. No matter how deep the darkness, a light shines within. I guess it's more than just a fairy tale. Well, let's go! You can't go! Why not? Because it's way too dangerous. Come on, Sora. We made it this far by sticking together. You can't go alone. Kairi,
Even if we're apart, we're not alone anymore, right? I can't help? You'd kind of be in my way. Okay. You win. Take this. It's my lucky charm. Be sure to bring it back to me. Don't worry, I will. Promise? Promise. Don't ever forget. Wherever you go, I'm always with you. Et on a appris, on a eu une nouvelle qui voulait tendre promesse. C'est bon. Eh bien, on a vu Riku qui parlait avec quelqu'un, on ne sait pas trop. Si je ne me trompe pas, c'est une cinématique ajoutée par Final Mix. Il était pas là dans le jeu original. Puis on a Karine, c'est ça, on a dit que dans les ténèbres, ben Sora dit à Thierry que dans les ténèbres, il y a tout le temps une trace de lumière, que c'est comme ça qu'il a réussi à sortir des ténèbres. C'est ça. Bon bref, je vais un peu sauvegarder pour pas perdre la partie. Puis on s'en va voir Cid pour permettre de retourner à la forteresse oubliée. Puis on scellera la serrure une fois là-bas. Allez, faisons un peu d'enjeu, on s'en fout. Ah, bon, qu'est-ce que c'est une autre? Ça c'est la super nose en passant. Je pensais que ça que t'étais pas activé quand on était sur deux pieds, mais oui, c'est activé. Ça sert. Je pensais que ça servirait pas. Ça servait juste pour le niveau d'Atlantica, mais non. Ok, là on peut aller dans le premier quartier. Là on s'en va, voir Cid, qui est là-bas. Normalement. Salut. Allô. Tu l'as trouvé? Très bien. Je vais préparer ton vaisseau.
C'est fait. Tu peux partir quand tu veux. Petit, je dois avouer que je me fais du souci pour toi. Ok. Mais pas grave. T'inquiète pas, je suis l'héros de l'histoire, je risque pas de crever. Allez, on s'en va à la forteresse oubliée. Go. Un nouveau trou cosmique s'est ouvert près de travers. Je me demande où il mène. On a détecté une étrange réaction magique dans cet sac monde. On devrait peut-être les revisiter pour voir tout ça de plus près. Ah non. Ok, là, il faut que j'aille là-bas. Donc, go. Là, je vais aller au pays imaginaire avant. Je crois que je parle là, si vous êtes. Go. Soit des mondes. Non, je peux pas. Faut que j'aille vraiment au trou cosmique. Ok. Je vais aller au trou cosmique d'abord. Je m'en fais plus, il fallait que je fasse ce trou cosmique, sérieux. Bon, c'est pas grave. Bon, je fais du monde. Je vais apprendre le trou cosmique, puis on se retrouve juste après. Après l'ellipse. Bon, à plus. Et re tout le monde, on est rendu à la forteresse oubliée. Je vais voir si nos checkpoints. Non, nos checkpoints sont plus là. Bon, c'est pas grave. Ben, nos points de sauvegarde. Donc, c'est ça. Où est là-bas? Où est Belle? Toujours dans le château. Contre son gré? Non, je crois qu'elle voulait rester là-bas. Les autres princesses y sont aussi. Je me demande pourquoi. Allons leur demander. Tu pourrais avoir besoin de ma force. Je t'accompagne. Ok, mais... Non, j'aimerais mieux garder Donald et Dingo. Bon, c'est ça, on est... Il faut qu'on retourne où qu'elle était la serrure. Donc, allez, on y va. C'est ça. Donc, c'est plate qu'il n'y avait pas de sorte de checkpoint, genre que... les points de sauvegarde qu'on avait été précédemment. Mais c'est pas grave, on va monter manuellement, c'est pas compliqué. Surtout qu'on sait où aller maintenant. Comme dans le dernier épisode. Bon, je pourrais. Comme dans le dernier épisode où que j'avais foiré parce que je savais pas où il fallait qu'on aille. En plus, on a une marque de trou blanc. C'est super. Bon, activer la. Ça donne quoi, un coffre? Ouais, un coffre. Allez, rouvre-la. Block food. Ok. C'est pas ça que c'est pas très intéressant, mais pas grave. Allez, on va par là. Je crois que c'est par là. En tout cas, j'espère. Non, même pas. Alors, on aurait pu. Ouais, c'est bon. Bon. Là, c'est ça. On monte. Puis on s'en va voir les princesses de cœur qui sont proches de la serrure ou qu'on a battu Maléfique, en fait. Ça, c'est proche de la serrure. C'est dans sa paix, si je me trompe pas, qui sont les princesses de cœur. Allez-vous-en, je sais pas vous battre. Ben, en plus, je vais recevoir le deuxième niveau, donc ça c'est un petit peu contre-triste. Bon, je vais aller à la chapelle. La chapelle est juste après ça, je crois. Parce qu'il y a des monstres qui sont chers à battre. C'est sûr que j'en bats pas. C'est plus loin. Je pense que c'est plus loin en fait la chapelle, mais je suis pas vraiment trouvé. Bref, je pense qu'il parle là-bas.
balcon. Ouais, c'est plus haut. C'est ça, c'est plus haut. Je pensais que c'était juste après la porte, mais non. Ah, même on joue des tours. Bon, là, j'ai pas le choix de les battre, mais c'est... Mais attends! Ah, j'ai peur de tomber en plus, c'est ça. Bon chier. Allez, va-t'en! C'est le dragon. En plus, on attaque. Ouf! Ah, il m'en est tombé. Ah, merci, moi! Bon, c'est ça. Parce que là, il y avait trop de monde, c'est n'importe quoi. Allez, monte. Ça me fait chier quand il y a trop de monde, je peux pas voir où il faut qu'ils attaquent et tout. Bon, c'est pas grave, là. Mais c'est chiant. Ah, je m'en fous de vous, sérieux. Je vais aller me faire tomber. En plus, ils ont tout le temps l'aggro sur moi, ils ont pas l'aggro sur mes partenaires. Donnant les dingos, là, ça c'est chiant. Ah, c'est juste quand que donnant les dingos les attaques, ils ont l'aggro sur eux, c'est pas ça. Pas grave. Pas grave, on s'en fout. Bon. De toute façon, je suis rendu où vous êtes à peu près. C'est bon. Allez, parle là. Aïe, aïe, ça fait de mal. Bon, j'en veux au balcon au niveau. Bon, je pense que je pourrais utiliser des attaques à distance. Parce que je pense que quand on tombe, ça recommence. Allez, arrêtez. Ça c'est bon de les mettre dans un coin, comme ça j'ai moins de chance de tomber. Ah, ils sont même trop, c'est fou. Fais attention, pourquoi ton... Hey, ils respawnent. Il y en a qui ont revenu. En fait, non. Mais il y a des nouveaux ennemis qui ont passé. Bon, je me comprends. Allez! Allez, attends! Merde! Vous êtes partis, j'ai hâte que vous partez. Bon. Bon, ça le fait mal. Ça, c'est de plus de ma vie. Attends! Bah, tiens, bon. Non, non, il tombe pas encore mort. Attends. Ok, quelqu'un m'a mis la face, c'est bon. Ah, il y a encore un ennemi en attaque. C'est ça. Je le vois même pas. Bon, ok, par là. Ah non, un autre qui a un spawn. Ah, putain. Non, tombe pas. Tombe pas, ça va. Tombe pas, c'est chiant. Bon. Non. Je vais éviter d'attaquer. Lui pour me faire chier, il veut tout faire ça, là. Il va faire un tour, il va voir, ah, je vais te faire chier. Bon, bref. Go! Allez, va-t'en! Bon. Enfin, libre, je passe. Oui, libre. C'est bon. On peut monter. Ah, c'est chiant de battre des ennemis comme ça, là. C'est assez chiant. Perso, moi, sur ce chiant, là. C'est chiant. Là, je vais monter. Je vais aller dans le ring, donc il va sûrement avoir des ennemis que je devrais combattre. Go. Bon, c'est quoi? Aujourd'hui, attends, je vais m'équiper de trucs de magie avant. Je vais me prendre des étages. J'en ai pas. Tout ça.
C'est bon. Ça faisait... j'ai soigné ma magie, ça. Bon. Ah non. Il n'y a pas l'air d'avoir d'ennemis, là. Si c'est là que je veux dire qu'il va commencer à en avoir, ça. Ah non, peut-être qu'il n'a plus... Bon. Ah oui, il n'a. Comme je l'avais dit, dès qu'il commence à le dire, il n'a. Bref. Bon, au moins, là, on est protégé, ça, c'est génial. Ou par là. Allez. Bon, au moins, leur vie descend assez vite, puis au moins, ça m'en fait. Allez. Je vais mourir. Ouais, je suis mort. Puis, lui. Le sage. Putain, il est mort. C'est bon. Là, on peut continuer. Pour moi, il y a quelqu'un qui a monté de niveau. Je pense que c'est Donald qui a monté de niveau. J'ai pas vu, j'étais concentré. The ball, the ball. Non, en fait, the plan. Ouais, on va rester. Faites un câble. Oh mon dieu, je suis en train de faire un câble. Bon, bref. J'arrête pas de dire bref, c'est vrai que je change de mot. Donc, c'est pour ça le même sens. C'est con. Bon, bref, go. Ok. Ah, j'arrête pas de dire bref, c'est fou. Là, on s'en va dans le tour des parcelles, puis on pense que c'est la chapelle bientôt. C'est la... Mais ce n'est pas la chapelle. Là, il faut que je monte là. C'est pas le choix, il n'y a pas de trou, donc c'est ça. Là, il faut que j'aille dans la porte, là. Il n'y a pas de trou, il n'y a pas de porte. Là, c'est le rempart de l'emblème. Mais là, il faut que je monte là. Là, pas par là, je vais par là. Ah oui, je vais par là avant. Pour pouvoir monter sur l'autre côté. Ouais. Go. Ah, c'est l'autre bord. Go. Allez, go. Là, je dis go. Non. Bon, ça va charger. C'est bon. C'est bon, il m'a rechargé. L'épisode est à une vingtaine de minutes, ok, c'est bon. C'est bon. Allez, avant, c'est bon. T'es capable, ça va. T'as verrouillé la serrure de la porte à la figuier. La tour des parcelles. Ouais. On avance, allez, on monte. Ah, par là. Par là, je pense que c'est la chapelle. Eh ben oui, yes, on est rempli. Hey, on voit les précesses de corps. De corps. De cœur. Bon, on va aller les parler après. Dès que je sauvegarde, que je sois resservé. Et, de toute façon, je suis déjà resservé, c'est bon. Ah, on est à peu près 17 heures de jeu, c'est bon. C'est gros. C'est bon, c'est gros. Nous n'attendions maître. Nous attendions maître qui voulait. Où est l'ensemble? Il s'est volatilisé. Quand la serrure a été apparue, les ténèbres se sont répandues. Elles sont engloutiées, elles ont englouti Ansem et il a disparu. Bien qu'Ansem ait disparu, le flux des ténèbres ne s'est pas arrêté. Nous joignons nos forces pour le contenir. Je n'oublierai jamais son regard. Bon. Ok, c'est bon. Je vais aller parler à ce princesse-là, puis après on pourrait avancer. Sora, dépêche-toi, les ténèbres se répandent par la serrure. On fait notre possible pour contenir les ténèbres. J'ignore combien de temps on pourra résister. Très bien, j'y vais. Nous comptons sur toi, maître de la Keyblade. Nous ferons de notre mieux. Ok, c'est bon. Là, faut qu'on aille sceller la serrure. Allez, go! On va dans des tours de passerelle, c'est ça. Ou juste pour aller à la serrure. Bon, par là. Allez-vous-en. Je veux pas perdre de vie. Parce que ça me tente pas de perdre de vie. Là, on s'en va dans le grand hall. Qui va nous permettre d'aller verrouiller la serrure. Allez, par là.
Ah, là c'est moi. Là, il y a des monstres. C'est fou. Bon, ok, go. Bon, ça peut se donner les dingos qui sont utilisés leur magie. Go. Là, il faut qu'on aille verrouiller la serrure dans l'abîme des ténèbres. Go. Ah, je peux pas. Ok, cool. Je pensais que je pouvais pas. Ben oui, je peux. Et il y a un gros monstre qui protège l'abîme. Invocation, le 7. Ce qui permet de resservir si je me trompe pas. Croix. J'ai pas, je me suis pas informé. Mais ça me donne de la force, donc j'invoque. En plus, j'ai plus... Ok, j'avais même plus rafale, je sais pas pourquoi. Va-t'en. Tiens. Tu sers ta corde parce que c'est là que tu tiens tout ton pouvoir. Je vais aller par là. Ah, fais attention. Par là, je pourrais monter facilement sur sa corde. Aïe, aïe, ça fait de mal. Bah, ça fait pas trop fait mal, mais bah, on s'en fout. Il est quand même pas trop difficile, mais c'est ça. Il est quand même une difficulté. C'est sa longue vie qui, c'est ça. C'est une grosse difficulté. Donald s'est réveillé. Il est resservé d'un gros, c'est bon. Ah, j'ai quand même gagné beaucoup de magie en le tapant. Ah, c'est chier. Je vais monter sur ton dos, laisse-moi. Allez. Ta vie qui descend quand même assez vite. Elle diminue assez vite, c'est bon. C'est super bon. Allez. Surtout que j'ai beaucoup de magie, c'est bon. C'est quoi, ma magie, je arrive vite. Il me donne beaucoup de magie. Allez, recharge. Ben, recharge non rafale, je veux dire. Allez. Là, je suis en train de frapper. Je pense qu'on est rendu à sa troisième barre en plus de vie. C'est bon. Après lui, je pense qu'on va arrêter. Dès qu'on verrouille la serrure. De la forteresse oubliée, on va arrêter. Ça me semble pas mal. Ah, là, on est rendu sur le deuxième bord de vie, c'est bon. On arrive. Aïe. Je vais peut-être utiliser la palle. Je vais un peu de temps sur son dos parce que c'est bien plus facile pour pousser sa corne que quand il est pas. Quand il se passe sur son dos. Oh. Je pense que c'est des conneries puis c'est plus difficile là, mais à part ça c'est assez plus facile. C'est plus facile de toucher la corde sur son dos. C'est un de mes conseils. C'est ça. Puis en plus, on le fait assez mal là, on est rendu bientôt à sa première barre de vie. C'est bon. Go! Allez! On a bientôt fini sa deuxième barre de vie, c'est bon. C'est super bon. C'est bon, bon, bon. Prop. Ah, on est rendu à sa dernière barre de vie en fait. C'est ce que je voulais dire. Je pense que c'est une première tantôt. Non, c'est sa dernière. Ça le fait mal. Ça fait mal quand on nous trogne. On a bientôt fini. Hey. On l'a massacré le boss, c'est fou. On l'a massacré. Ah, c'est n'importe quoi. On l'a tellement massacré. Là, je dis ça, puis je suis sûr que je vais me prendre un game over juste pour me faire chier, là. Ah non, non, c'est pas vrai, là. On va pas essayer de me prendre un game over sur la fin. Là, je vais monter, puis j'y arrive même pas. Ah, c'est ça. Bon, ok, go. On a bientôt fini de le massacre. Je vais me mettre un petit sort rafale pour me protéger. Là, on a bientôt fini Goom, crève. Yeah, on l'a battu. On a eu un combat aérien. On a pris ça. Ah, joyeux Omega, c'est bon. Now let's go and seal that big keyhole. Sora, you did it.
Qu'est-ce que vous faites ici? On est venu avec le vaisseau de Cid. Nous avons passé notre enfance ici. On voulait revoir cet endroit. Il est dans un sale état, pire que je ne le craignais. Ça n'a plus rien à voir. Ne t'en fais pas. Si nous battons ensemble, tout reviendra comme avant. Même chose pour votre île. C'est vrai? Mais ça veut dire aussi, qu'on ne se verra plus. Lorsque les mondes renaîtront, ils seront à nouveau séparés. Chacun retournera d'où il est venu. Alors je viendrai vous voir avec le vaisseau Gumi. Ce n'est pas si simple. Avant, tu ne savais rien des autres mondes, pas vrai? Quand tous les mondes étaient isolés, des murs infranchissables les séparaient. Les sans-cœurs ont détruit ces parois. Mais si les mondes renaissent, les murs réapparaîtront. Ce qui rendra les vaisseaux Gumi inutilisables. Tu veux donc dire que jamais nous ne... We may never meet again, but we'll never forget each other. No matter where we are, our hearts will bring us together again. Besides, I couldn't forget you, even if I wanted to. What's that supposed to mean? Hurry! Come and close the keyhole! Sora, good luck. Mais Sora, je crois qu'ici les ténèbres commencent à faiblir. Mais je sens que les ténèbres se rassemblent loin de nous. Au cœur des ténèbres, c'est là qu'Ansem a dû se rendre. Prenons le vaisseau Gumi et partons affronter Ansem et les Sans-Cœurs. Excellente initiative, maître de la Keyblade. Nous t'offrons ce pouvoir pour t'aider dans ton combat. On a eu l'essence de feu, on a eu Brasix, dans un Brasix, c'est bon. Sora, seul ton courage pourra renaître nos mondes. Une fois les ténèbres disparues, tout devrait revenir à son état normal. Vous croyez que Kairi retournera sur l'île? Certainement, et toi aussi. Je ne peux pas rentrer avant d'avoir trouvé Riku et le roi. Bon, ça va être la fin de l'épisode, ça fait pratiquement 45 minutes que c'est tôt. Donc on va arrêter là. Ben, l'épisode va peut-être durer une demi-heure minimum, ben gros max au moins. Parce qu'il y a une ellipse en tout ça pour aller à Fortress Oubliée. Là, qu'est-ce qu'ils ont dit? Ils ont dit que faut que j'aille voir Ansem au cœur des ténèbres, donc dans un nouveau monde, le dernier monde. C'est ça que j'ai compris. Donc, on va aller battre ensemble. Ben, on va peut-être pas battre ensemble dans le prochain épisode. Mais, la fin de la série approche. Malheureusement. On peut pas... J'arrête pas de te regarder. C'est n'importe quoi. Bon, on peut pas faire durer un let's play éternellement. Faut savoir varier aussi. Donc, c'est ça. Ben, on approche grandement de la fin. En espérant que cet épisode vous aura plu. N'hésitez pas à liker la vidéo si ça vous a plu. Commentez, partagez, ça ferait extrêmement plaisir. Puis, on se retrouve vendredi prochain pour le prochain épisode de Kingdom Hearts. Sur ce, moi je vous dis, portez-vous bien et bye tout le monde! Allez, bye bye!